en 2005 qu'on est parti à vivre à La Réunion. J'ai vécu là-bas pendant 12 ans et c'est là-bas que ça a vraiment commencé. Et puis c'est toujours dans le même club, du coup le club du tampon où mes parents m'ont entraîné, où j'ai commencé à faire mes premiers matchs, voilà, etc. Mais Sandball, en fait, ça a toujours été, même quand je vivais à La Réunion, le club où je me voyais plus tard, enfin, si je peux dire dans mes rêves ou quoi, c'était là où je me voyais vraiment et j'avais pas eu envie d'aller ailleurs dès le début. C'était logique pour moi de venir ici. En plus, mon père est originaire de la région. Enfin, c'est pas un endroit inconnu pour moi. Ma mère, elle est venue en France en 98, il me semble, aussi dans ce club. Ça a été son seul club en France. Enfin, on est vraiment très attachés à ce club-là et je me voyais vraiment pas aller ailleurs. Saute. Bien, bien. Allez, droite. Bien, bien, bien. Saute, 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 saute. Saute. Ah, ouais. Pas mal. Pas mal. Je me suis fait une rupture des ligaments croisés du genou gauche en avril. C'était la demi-finale de Coupe de France contre Chambray. Et voilà, c'est déjà ma deuxième opération des ligaments croisés, pas du même genou. Il y a 5 ans, je me suis fait la même chose du côté droit, avec le ménisque en plus. Donc là, on peut dire que c'était un peu moins grave qu'il y a 5 ans, même si bon, c'est un coup dur dans sa première année pro de se faire une blessure comme ça. Bien, ça, bien, 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 bien. Là, il me reste que de reprendre un peu de vitesse, de confiance en moi, dans les tirs, etc. Donc là, c'est, on va dire, la meilleure partie et c'est vraiment la fin. Ah non, j'arrive pas. Je pense que si jamais je suis amené à le faire avec Katia sur la séquence là, je pense que je peux très bien ne pas être amené à tomber juste en basculant sur ça et je suis là, top. Et donc j'ai avec Mélanie sur ça, hop, et je pourrais ici. Dans la continuité un petit peu de ce qui se fait dans le club, on a aussi eu envie de promouvoir Emma, de la faire émerger et arriver un peu plus vite parce que c'est aussi comme ça qu'on construit le parcours. Elle a pris son temps au pôle ici avec le centre de formation et à un moment on a dit bon voilà, là il faut lui faire la place et l'intégrer dans le collectif de la première et elle s'en est à chaque fois plutôt bien sortie. Pas mal ça. Je pense que c'est mon top 3 des joueuses qui tirent le plus fort et j'en ai quand même eu quelques-unes. Et physiquement, je l'ai dit, c'est très très fort. Quand elle joue un duel, quand elle vient fermer en défense, quand elle vient vous attraper, elle ne vous lâche plus. C'est juste assez incroyable. Il faudrait que le coude, ici là, arrive à passer dessus ta tête, ouais. Là, pas trop bas, et elle reprend depuis ici là. Ça ferait à peu près ça dans l'idée. Je sens qu'on m'accorde une confiance où j'aurais peut-être pas eu dans d'autres clubs ou un autre endroit. Donc c'est bien de se sentir aussi à l'aise et que les gens comptent sur toi au quotidien. Bien, ça, bien, 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 bien. Ah putain, ne bouge pas trop, c'est pas là. Tiens, c'est bien. Bien, 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 souffle, souffle, souffle.